Exactement, on est frères et sœurs, on fait de la bande dessinée ensemble, c'est vraiment incroyable. On s'entend super bien. Je pense que c'est plutôt rare quand même. En fait, je pense que c'est les techniques qui nous aident aussi, on a des super techniques. Ah oui, c'est essentiel, les techniques. Nous, on utilise la même technique que les super grands auteurs de ce monde. C'est pareil. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pareil. Quand on est rendu à la scénarisation, trouver les idées, on a toujours des méthodes très poussées pour faire le travail. Oui, dans les sessions de travail, il y a comme un mot d'ordre, c'est maturité. C'est vraiment essentiel. Nous, c'est sérieux quand on travaille. Oui, puis quand on est rendu justement dans cette partie-là de scénarisation, on est chanceux parce que 99% du temps, on s'entend super bien. On s'entend super bien, puis l'important, c'est d'avoir les bons outils. Oui, et souvent les gens ils nous demandent c'est comment travailler ensemble, frères-sœurs, mais... Mais c'est facile, parce que... Non, mais c'est parce qu'il faut dire que nous, les frères, on est comme parfaits. Donc, ça le dit. C'est facile. Parfait. On nous demande souvent si les personnages ont été inspirés de nous. Non, vraiment pas. Non. Non, GG, c'est notre zombie bleu, cerveau bleu, qui est accro à la caféine, fait que... Ouais, puis nous, on n'a pas ce genre de problème-là. Dans le fond, nous, le café, on n'en boit même pas. Alors, moi, je suis plus jus vert, truc santé. Ça me parle plus. Ouais, nous, les excès avec la nourriture, jamais. Jamais. C'est comme notre personnage Smikey, un petit fantôme. Il a peur d'un petit chat, un petit chaton, n'importe quoi. Comme, ça peut pas être moi. Moi, je suis comme un symbole de courage. N'importe quelle situation. Oh my God! Dans le fond, on est chanceux de pouvoir s'entendre comme ça. Oui, parce que sinon, ça serait impossible de faire un projet comme ça. C'est nous les meilleurs! Ouais! Ouais! Ben nous, c'est moi le meilleur.